Bonjour, le co-président de Saint-Pierre Nature avec Laurence Lepère. Bah là, en fait, on est rendu à notre cinquième édition. On a eu deux années un peu mortes à cause du Covid. Le président, c'était Julien, et puis on a pris le relais avec Laurence cette année. Et voilà. On est heureux de faire une cinquième édition avec un ultra-trail. On attend vraiment le départ à 23h ce soir. Là, on est à plus de 1100 participants, sans compter forcément le Kirby Trail, sans forcément compter les randonnées. Mais sur les courses chronométrées, on était hier soir à 1000, 1010, 1020. Cette année, on a ouvert vers les adolescents parce qu'en fait il y avait un trou et donc on a préféré cette année essayer d'ouvrir vers les adolescents. Le plus gros challenge de cette édition, on a eu peur un peu de ne pas trouver tous les bénévoles qu'il fallait, et en fait j'ai été très agréablement surpris parce que moi au sein du trail je suis le responsable des bénévoles. Tous les bénévoles nous ont répondu positivement et on est très contents, et justement on essaye de les chouchouter, ils sont aussi importants que les coureurs pour nous. On a créé l'association Clément Gelboy pour mon fils qui est atteint du syndrome d'Angelman. Alors le syndrome d'Angelman, c'est une maladie génétique qui est assez rare, hein, elle touche une naissance sur 15 000 à peu près. C'est assez un an qu'on a appris cette maladie-là. Concrètement, ça se traduit par un retard global du développement. Aujourd'hui, il a 4 ans, il ne marche pas, il ne parle pas non plus, donc on l'aide pour l'aider à se développer, on le stimule beaucoup par des thérapies. Donc c'est pour ça en fait qu'on a créé l'association, c'est en partie pour financer des thérapies qui l'aident en fait à progresser dans son quotidien, et on espère poursuivre ces thérapies pour qu'il puisse être de plus en plus autonome. Alors aujourd'hui, donc sur l'événement, on a un stand à disposition où on a quelques produits phares. On a des t-shirts avec le logo de l'association, des casquettes et des produits faits maison avec mes petites mains de couturière débutante. Et on a aussi une page Facebook pour suivre toutes nos actualités et un site internet qui explique un peu tout ce qu'on fait pour notre fils. Bonjour, je suis bénévole et dans l'organisation du Trail des Vallées. Alors depuis la première édition, donc il y a 5 ans maintenant, on était un groupe de parents d'élèves et donc on a grossi. Et aujourd'hui on a une trentaine de membres dans l'association pour toute l'année. Alors on a un regroupement de différents sports et activités liées à la nature. On peut organiser des randonnées pédestres, des courses et également la pêche à pied, des journées kayak. On organise Brocéliande au mois d'avril, une randonnée avec les familles des membres. Alors Saint-Pierre Nature, on est une trentaine de membres qui sont tous actifs pour le Trail des Vallées, plus 180 bénévoles qui viennent renforcer l'équipe le jour J. Alors moi c'est Anthony et donc je suis chargé de m'occuper du village et également des partenaires. Nous sommes devant l'espace partenaire. Mon rôle dans l'association, c'est de fédérer des entreprises et des gens pour nous aider à construire l'événement tout au long de l'année. Et bien le trail, chaque année, ça grossit, on apprend les petites erreurs que l'on fait et on essaye d'évoluer de façon à accueillir les coureurs et les participants dans les meilleures conditions. On recherche bien sûr beaucoup de bénévoles et généralement c'est des amis qui pratiquent la kiné dans leur métier et qui viennent nous aider pendant le trail pour apporter du confort et du réconfort aux coureurs, surtout sur les grandes distances, ça leur fait beaucoup de bien. Et puis après, il y a aussi d'autres professionnels que l'on prend aussi pour l'édition, comme la Sono. On a des professionnels qu'on a engagés, il y a aussi des partenaires professionnels dans la Sono qui viennent nous aider. Donc voilà, il y a plein de métiers pour pouvoir accueillir tout ce monde-là dans les meilleures conditions. Premier trail long, ouais, premier ultra trail. Le dernier en date, c'était le Glazig, là, en février. C'est la deuxième fois que je cours 15 km et ici, c'est la première fois au Trail des Vallées. Moi, j'ai commencé quand j'étais petit avec les crosses du collège, j'ai toujours été très sportif, etc. Enfin, je fais du trail vraiment depuis 4 ans, on va dire. On a 3 chiens, donc on a commencé comme ça, on court avec nos chiens, on fait du canicross aussi à côté en plus du trail. Donc voilà, on cumule les concours de canicross, enfin les courses de canicross et les courses de trail en solo, parce que c'est toujours sympa aussi de se performer seul. Et on est inscrit depuis le mois d'octobre. Ouais, donc depuis le mois d'octobre, on a l'objectif en tête, on va dire. Moi, j'aime bien les assez longues distances. Donc 32, pour moi, c'est assez petit. J'aime bien aller sur des 50, 60, voire plus. Là, avec la pluie, c'est vrai que c'est pas hyper motivant. Ça serait bien au moins que pour le départ, on puisse avoir pas trop de pluie pour partir avec une ambiance un peu sympa sans pluie. Puis après, bon, on a l'habitude, hein, de courir dans la boue et dans les flaques. Et voilà, donc bon, c'est pas grave, on fait avec.